Je suis avec l'équipage 80, une Alfa Romeo de 1973, une Spider Velos, en compagnie de son équipage, Carole et Marie-France. Donc Carole, vous êtes la pilote? Oui, exactement. C'est votre troisième participation? C'est ma troisième participation au Rallye des Princesses, oui. Voilà. Toujours avec le Spider Alpha? La première, non, avec une 290 SL. Ah. Et là, avec mon Alpha. D'accord. Alors, avant, vous avez fait d'autres rallyes, je crois? Le Classique Val de Sèvres à Niort et le BSOC à Bordeaux, Bordeaux Sud-Ouest Classique. Et le BSOC, c'est donc un rallye mixte? Un rallye mixte. Les deux sont des rallyes mixtes. Oui. Et ils sont naissants à peu près sur le rallye mixte de Niort. Et vous avez combien d'épitages féminins? Il n'y a que deux équipages féminins. Deux équipages seulement? Oui, exactement. C'est bien. C'est un rallye qui est très dur et très éprouvant pour toutes les trois, voiture et nous deux. La voiture et pour l'équipage également? Exactement. Oui, oui, c'était dur. C'était dur. Mais Marie-France, vous en rigolez encore? Oui. Ah oui, parce qu'il faut rigoler, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements de vitesse dans les ZR. On est à 63 km/h de moyenne, alors que là, on est à 50 sur ce rallye-là. Donc ça va très, 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 très vite. Mmh. Sans voix, quoi. Oui, sans voix. Sans voix. Exactement, sans voix. Oui, on a cassé la suspension. On a abîmé. On va dire que c'est un rallye d'hommes. Enfin, les femmes sont admises, la preuve. Oui, voilà. Et bien, on était les seuls à avoir. Enfin, les seuls, non. Il y avait 3-4 voitures un peu comme nous, décapotables et autres. Et ils ont tous abandonné. Et nous aussi, on n'a pas fait la nuit. Mais il valait mieux pas. C'était pas sa place. On a fait quand même la première en ZR. On a fait la. On y avait 18 ZR en deux jours. Alors que là, on a 19 ZR en une semaine. Et donc, sur les 18 ZR en deux jours, on a été première sur la ZR 16. Mais c'est bien, ça vous fait la main pour la prochaine fois. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. La main et surtout les bras. Surtout les bras. Surtout les bras. Oui, parce qu'on a fait un demi-tête à queue, on dans les champs on faisait demi-tour parce qu'on se trompait beaucoup. Non, c'était très éprouvant, très rigolo, très formateur. Alors pour cette 20e émission, là vous êtes remonté à bloc. Oui, on a envie d'être sur le podium, on a été 11e l'année dernière. Mais là on a envie, toutes les trois je dirais, toutes les trois d'être sur le podium, c'est vraiment ça, oui. Oui. Donc ça va le faire. Ça va le faire. J'ai confiance. Vous avez fait des runs d'entraînement? Oui. Non, on va dire. Bah non, on en a fait qu'un, le rallye classique Val de Sèvres. Là, vous avez terminé? Oui, on a terminé. On a en deux jours, on a avalé des ZR. L'année dernière, on s'était bien entraîné. Je lui avais fait un entraînement de choc. Et cette année, on a fait les 18, enfin non, pas les 18 ZR parce qu'on n'a pas fait celle de nuit, mais c'est tout. Et c'est vrai que j'aurais préféré qu'on s'entraîne avant un peu plus. Mais je pense qu'on est prête. On est prête, hein, parce que avec le rallye Val de Sèvres, je suis confiante. On est confiante. Si elle le dit. Je vous promets que c'était compliqué. Ouais. Oui, c'était compliqué. On sent qu'elle est au taquet. Hein. Ouais. Au taquet, MF. Au taquet. Oui. Bon, c'est un plaisir. C'est vraiment un vrai plaisir d'être sans équipage féminin. Déjà, vous rigolez, vous êtes décontracté, c'est bien. Ça se passe entre filles. Voilà. Décontracté et concentré. Et pas de prise de tête. Do you, Saint-Tropez. L'essentiel, c'est d'arriver au bord de la plage de Saint-Tropez. Ah oui. Ouais. Oh là, oui. Rendez-vous jeudi. Avec un verre de rosé en arrivant. Exactement. Un petit. Un petit. Ou un grand. On en prendrait un deuxième. Bon, bah les filles, on vous souhaite bonne route. Oui, et surtout, attaquez. Hein. Oui, on attaque. Oui, voilà. On a les sponsors qui sont là aussi pour nous soutenir tous les jours. Donc, vous avez un gros sponsor qui est là. On a Meiti en sponsor d'aujourd'hui. Demain, on a IDECOM, c'est une boîte d'événementiel. Après-demain, on a Baron, il fait des stands, l'événementiel aussi. Vous les retrouvez tous les jours sur notre voiture. Après, on a Sati Immobilier, en fait, le jour de Saint-Tropez. Sati Immobilier, Rondini les chaussures, vous savez, les sandales qui sont très connues. Et voilà, et Vielcros, qui est un architecte aussi très connu de Saint-Tropez. C'est-à-dire tous les jours, j'ai changé de sticker sur la carrosserie. On met d'autres bulles par-dessus et on met des tenues spéciales pour nos sponsors. Et puis Sarawak, très élégant en beauté. Ah ouais, Sarawak, qui est notre fidèle sponsor, ça fait 3 ans. Et vraiment. Vous soyez fidèle aussi. Oui. Ah oui, oui. À Saint-Tropez. Ouais, merci Guy. Ouais, c'est une boîte de force de vente et qui vraiment est détonnante. Très poilu. Allez les filles, on compte sur vous. Merci. On compte sur merci. Vous. Merci.